Amis forestiers, bonjour. Si vous avez comme moi une remorque forestière, vous avez probablement eu l'occasion de circuler sur des terrains très accidentés. Voilà, là, on a peut-être fait l'erreur de mettre une attache non tournante. Alors, ça va parce que l'anneau est assez grand, mais quand l'anneau est petit et vous êtes en dévers sur la remorque, vous forcez donc sur l'attache. Et c'est là que l'attache tournante peut avoir un intérêt. Donc si vous mettez une attache non tournante, veillez surtout à ce que l'anneau puisse parfaitement pivoter quand vous êtes sur terrain très accidenté. Ça n'arrive pas évidemment en terrain plat dans les champs, mais en forêt, on a parfois des gros dévers et la remorque n'est pas tout à fait dans l'axe du tracteur. Voilà pourquoi on doit avoir des anneaux un peu plus grands que le pivot de l'attache. Faites très attention à ça, j'ai tordu une fois une attache en travaillant sur un terrain avec un important dévers qui a vrillé l'attache qui n'était pas tournante.